Si d'autres médecins cautionnent des régimes plutôt fantaisistes, mais attractifs et vendeurs, Jean-Michel Cohen refuse de céder à la facilité. En général, quand on me demande des choses absurdes, ça veut dire, comme j'ai lu dans ces magazines, c'est-à-dire les mots clés des régimes. C'est-à-dire les mots clés des régimes, c'est régime starter, régime rapide et manger tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est les trois mots clés. Donc quand on me demande des choses de genre, je ne le fais pas. Si un journaliste veut habiller un régime, parce qu'en termes de régime, on peut tout faire, et je l'ai fait à nombreuses reprises, on peut très bien faire un régime à base de galettes de pommes de terre, de vol au vent, de tartines, de purée, de pommes de terre. Tout ça, c'est drôle. C'est-à-dire que c'est mettre un peu d'imagination et servir d'un régime. On le fait. Mais un régime donné dans un magazine, il doit respecter les critères médicaux. Ça veut dire ne pas être suffisamment restrictif pour poser des problèmes. C'est-à-dire pas question de donner des régimes inférieurs à 1200 calories. Et deuxièmement, véhiculer l'image d'une alimentation structurée, équilibrée et saine, parce qu'on s'intéresse quand même à la santé des gens. C'est le rôle des médecins.